Est-ce qu'on aura le Xing Zhao avant eux? Celui qui a Xing Zhao gagne la game. Sauf qu'il vient d'insulter Riot Game avec son pseudo. Donc ça va être compliqué. Le problème, c'est que je voulais jouer H, les gens, moi. Oh! Attends, il a même pas pris Xing Zhao? Mais pourquoi il a pas pris Xing Zhao? Ah, parce qu'il y avait Shen? Kane, Viego, Shen, Nautilus, Samira. Shield. Vie et vie. Donc il me faut un champion AD. Je crois que vous allez m'insulter, les gens, mais... Allez, petit dodge. Non. Non. En gros, il me fallait un champion AD pour acheter le Fang et réduction de soins. Et le problème, c'est que H support contre Nautilus Samira, je ne joue pas. Parce que j'ai des skill shots contre Samira, c'est de la grosse merde. Sauf que là, je suis Wukong first time. Et en support. Ah putain! Mais ça a été nerf en plus, ça, du coup, si je suis encore plus pourri! Oh! Ah, il a raté les deux CS, le pauvre. Ouais, c'est la force de Nautilus. Extrêmement fort, niveau 1. J'ai bien répondu au trade, hein. Boss! Back? Crétin! Putain! Écoute les pings, genre... Ça m'énerve. On fait un move de fou, on gagne la game. Il a 3 points de vie, on n'a pas le jungler en vue, c'est Ken qui traverse tous les murs qu'il veut. Ça me rend ouf par contre. Le Twitch, il abuse de fou. C'est le genre de joueur en plus qui m'aurait ping si j'aurais fait de la merde, tu vois. Hein, bref, on se calme. Ça m'a surpris. C'est bien, il est tornissé, c'est cool. Ah mais mon Twitch joue Ignite ! J'avais vu Exhaust. Ah, ça doit être chaud en vrai. Hein. Qu'est-ce qui vient de se passer? Merde, j'aurais dû prendre le canon. Attends, j'ai pas compris. Mon W, c'est passé quoi, là? Ah, mon W, c'est dans le sens. Ah, ok, je viens de comprendre. Ah, merde, putain, j'ai oublié ça. Ah, j'ai oublié qu'il pouvait sur moi. J'ai oublié que les... Ça, tu vois, je suis pas habitué. Ah, je peux refaire R. Je suis first time, hein, Wukong. C'était plus rapide que prévu. Ok, bon bah désolé, hein, moi je sais absolument pas jouer Wukong, j'ai même pas lu les sorts là, je sais même pas ce qu'ils font. Du coup en fait je dois faire quoi? Parce que engagé avec le W t'as l'aspect surprise, mais t'as pas ton clone qui W aussi quoi. J'ai pas d'ultime, tu feras attention. Dommage qu'on n'ait pas eu l'autre là. Oh, il avait un shield. Pourquoi il avait un shield? Merde. J'ai pas de mana. Attends, pourquoi il avait un shield? Ah, Shen! Ah, mais même mon clone, il fait Q? Putain, là, il faudra que je teste vite fait Wukong, parce que je sais pas du tout ce qu'il fait, en fait, Wukong. Donc là, je suis vraiment en train de first time, Wukong support en D2, et on explose la game, là.
Bon là j'avoue je suis un peu allé parti deep là. Je fais un peu du limit testing en D2 là. Vous m'en voudrez pas trop. Alors lisons un peu les sorts. Je sais même pas ce que ça fait le passif. J'ai rien compris. En fait je joue, je fais le W comme Nico. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Genre je pense que je vais mettre le clone en fait dans une trajectoire. Mais en fait c'est moi la trajectoire. Mais en fait je fais des dégâts, je me rends pas compte que je suis un briseur. Je pensais pas que je gagnais en fait contre eux, mais j'aurais pu y aller en fait. Genre là j'aurais pu me retourner en fait. J'ai l'impression d'être un support avec zéro dégâts, mais en fait non, je fais des dégâts. Je pense que je vais go Serpent de Fang là. Il va dip le bâtard. Bah en tout cas je m'amuse, c'est cool, Wukong support là. Mais attends, mais comment je suis aussi résistant? Je fais autant de dégâts et je suis résistant? Je comprends rien au jeu. J'ai l'impression de jouer à un autre jeu, j'ai l'impression d'être dans un mode fun genre. Je comprends pas. J'ai l'impression que je vais me faire one shot. Et je suis ultra résistant genre. Ouais, l'item et le passif de Wukong je suppose, mais quand même c'est abusé genre. Je sais pas pourquoi je le sens pas trop là. Je vais mettre l'anti-heal mais... tellement résistant, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je suis au milieu de tout. Je comprends pas. Je comprends pas le champion. Non mais c'est pas imagine tu perds contre Wukong support, c'est imagine tu perds contre first time Wukong support qui joue que des mages. Je ne connais ni les objets que j'ai achetés, je connais ni les sorts que j'ai fait. J'ai appuyé ma tête sur le clavier. Ah oui, j'ai un coffre. On fait 19. Bon, on a arrêté de faire le plus 20. Le plus 20 est parti. RIP. Plus 19. Est-ce qu'on a fait des dégâts? Attends. Je comprends pas. J'ai fait autant de dégâts en étant aussi tanky. Yo, aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Instant Gaming qui est un site où vous allez pouvoir acheter vos jeux à moindre coût. Quand je parle de moindre coût, je parle des jeux comme Sea of Thieves. Sea of Thieves, je sais pas comment on dit, ok, le Thieves, je sais pas quoi, ok. À moins 63%. Je te le garantis, tu ne trouveras pas moins cher ailleurs. Là, il va être à environ 13€. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, dans les commentaires. Il y a énormément de jeux, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un giveaway. Donc avant d'acheter peut-être ton jeu, il te reste quelques heures, quelques minutes. Parce que je fais cette présentation juste avant de me la mettre en ligne la vidéo. Donc foncez très vite pour le giveaway, testez votre chance. Pas besoin de vous rappeler que j'ai économisé presque bientôt là, 500€ sur le site. Merci, j'achète tous mes jeux sur le site. Bye!